Donc, dans ce contexte-là, nous, en tant que responsables patriotes, nous prévoir pour faire une amorce pacifique dans Maïbo. Et nous pouvons maintenir lui, nous pouvons communiquer une date, mais nous pouvons consulter différents ONG, là, mon camarade résistance alternative qu'il a, donc l'eau plateau officiellement, nous pouvons dire de nous un coup de main. Mais nous pouvons faire une amorce juste pour dire nous pouvons protester. Non. C'est une amorce symbolique. Quand l'eau waterfront, à la fin, nous pouvons essayer de récupérer. Et là, nous pouvons lancer un challenge, un défi. Si nous arrivons à dépasser 10 000 signatures, et là, nous pouvons demander au gouvernement de respecter. Comment nous dire, d'une démocratie digne de ce nom, nous devons respecter ce qu'il. Une pétition de vous faire signer Nous un pouvons faire une retrait. pétition pour demander est-ce que le rapport doit être rendu public dans l'intérêt des Mauriciens. Ben, Mauriciens, vous devez signer oui ou non. Et là, nous pouvons dire, nous pouvons faire lire ensemble avec Salamos là. Et là, si nous dépassons 10 000 signatures, ben, nous pensons que le gouvernement pas pour un choix. Soit il communique une raison réelle. De pourquoi les papiers rendent le rapport public, soit avant nous célébrer le troisième anniversaire, qui ça cicatrise, ça pas encore cicatrisé, en août ou en juillet-août, ben, nous espérons qu'ils. Même nous, gagnons bout de bout, au moins nous connaissons un peu qui passait parce que. Pour moi, c'est clair, c'est que le gouvernement est responsable à 100% de tout ce naufrage qui vient d'arriver sur nos côtes depuis le Wakasio jusqu'au dernier qui est arrivé à Saint-Brandon. Et c'est pour ça que jamais, malgré les millions qui sont versés dans la commission, dans la Court of Investigation, jamais nous ne vous trouverons pas.